Et bonjour interrogatrice et internotateur, ici Gaëlden. Pour les jeux du cygne, on retrouve notre partie XCOM 2 légendaire. On s'était arrêté sur une mission, une embuscade. J'avais deux personnages, donc Jean Bomber et sa compagne qui n'a pas été renommée encore parce que je ne pouvais pas le faire. Parce qu'elle était, comme il était en mission secrète, comme je voulais le faire, c'était chaos. Voilà, donc ils se sont fait choper, une mission secrète, et il faut qu'ils arrivent à s'échapper. C'est loin. Mais bah, je vais quand même devoir le faire. Selon les persos qu'on a, ça peut être très facile ou très difficile. Là, on va y aller un peu en ligne droite. S'il y a des ombres. C'est pas trop tôt. J'ai pas de timer, mais il y a des ombres. Tout de suite. Normalement, c'est pas nécessaire, ça, mais... d'accord, ok. Vraiment que je me barre à toute On a plusieurs vitesse. ennemis qui avancent sur nous. Spectre 1, votre équipe est compromise. Nous captons une équipe d'intervention d'Advent en approche de votre position. Faut Voilà partir la prêt. galère. Ah, il faut vraiment pas traîner, quoi. C'est pas des troupes très avancées, mais bon, c'est des troupes quand même. Troupes d'Advent par ici. Ouais. J'aurais jamais dû me mettre en watch sur le premier tour. C'était une vraie connerie. Reçu 5 sur 5. Toute façon, j'ai pas le choix. Faut que je cours et s'il y a des ombres, bah. J'ai vu une. On a des adventes par Patrouille, ici. putain. Will do. Je suis à l'étage, espérant qu'ils puissent pas me rejoindre. Mais. C'est vraiment la course-poursuite, quoi. C'est bon. Pour l'instant, c'est bon. Je pourrais aussi imaginer essayer de les choper. Quoi, il y a un buff. Mais je suis pas sûr d'avoir envie de jouer à ça, en fait. Comme je sais pas où est le petit copain. Forcément. Bah ouais, Watch the Flanks. Déconne. Déconne, déconne, déconne. Et puis des ombres en plus, tant qu'à faire. Alors, il faut que je puisse me planquer dans le bon sens.
Ou alors je me retourne et je l'asphalte. Là j'ai quoi? J'ai 59% de chance. Il est en couvert partiel. Mais je peux pas me mettre en couvert complet moi. Alors sinon, je vais m'attenter comme ça. Ah non, ils sont trop nombreux, je peux pas y aller à coup d'Overwatch. Je vais faire ça. Allez, allez, allez! Donc il court, et moi aussi, ça va. Allez, les ombres. Là, ça va plus. Ça va plus du tout. Si, on pourrait dire aussi que je fais un joli tir. C'est ça que je voulais faire. Je vais reconnaître là. J'ai moyen de choper les trois d'un coup. Sauf que ça va pas forcément les tuer. Et ça va attirer d'autres ombres. Mais il resterait l'officier derrière. Prochain tour, je peux y être. Se la tenter comme ça. Allez, on se remue. Faut juste pas que je me foire sur mes tirs. Bon, c'est du 3 chances sur 4 quand même. Et en plus, je suis pas sûr de les tuer. Parce qu'ils ont trop de PV. C'est quand même chouchou. Ça en fait combien là? Sinon, il faut que je disparaisse. Mais je crains qu'il ne puisse venir me retrouver. Autre alternative, hein, c'est couper les lignes de vue. Normalement, il ne me voit plus. Et je peux toujours sortir par là. Allez. J'en ai marre de poireauter. J'ai des forces d'adversaire. Non ! Putain de merde. Ça, c'était ce que j'avais pas prévu. Et il est... Ah, putain. Une chance sur deux. Ouais, c'est là, il faut pas rater son jet de dés, hein. La cible est toujours debout.
Et bien stress, putain. Ah si, là j'ai une fenêtre. Ça me permet d'être en hauteur. Je suis pas du tout sûr de le voir. Et j'ai plus qu'une seule munition pour deux cibles. il a largement la possibilité de se remettre à couvert. Et puis je sais que j'en ai un là. Ta vigilance sur les ombres, c'est tout ce que je te demande. Non. Et saignement, donc perte de vie à chaque tour. Et voilà. Elle, elle est morte au prochain tour. Putain, c'est pas possible, quoi. Il était dit que ça se passerait mal. Là, j'ai plus de munitions. J'y retourne. C'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible, quoi. Voilà mon avis, si je peux faire quoi que ce soit. De toute façon, elle va tomber à terre au prochain tour. Donc, l'alternative, ça va être de se dire qu'il va essayer de la porter. Et putain, je la tue pas. Vigilance.
Ouf. Mais bon, ça changera rien au problème. Nous devrions tenter de le sauver si l'occasion se présente, mais sans compromettre ses coéquipiers. Sans compromettre. C'est ça le plus drôle. Quelqu'un tient les comptes? Il va falloir que je recharge. Quatre tours. Vraiment, je n'ai pas la moindre idée de comment je peux arriver à la sauver. Je peux plus bouger, il me tire dessus. Et c'est moi qui vais en voir. Non, tu m'as, il a trois copains. Si je survie à ça, franchement... Putain, mais c'est pas vrai! Je l'aurai la prochaine fois. Putain, mais c'est pas vrai, quoi. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Ils m'ont eu. C'est pas très beau à voir. Tu parles d'un boulet. Bon. Ah si, c'est bon. Je savais plus si ça me prenait mon tour ou pas. Récupération sur le fil. Et on se barre. Oh la vache. Mais qu'est-ce que c'est chaud, bordel. Qu'est-ce que c'est chaud. Ouais, excellent. Oh putain, tu parles. C'est stressant ce jeu. Cette difficulté-là, c'est vraiment stressant. Comme si les anciens, leurs armées d'extraterrestres et leurs élus ne suffisaient pas. Nous voilà maintenant face à des zombies. Ouais, je suis au courant, je suis au courant, je suis au courant. Nous sommes victorieux. Ouais, victorieux. Ouhou. Ouais, j'ai un escarmouché en plus, capitaine. Et l'un d'eux voudrait vous rejoindre et honorer notre but commun, détruire les anciens. On peut prendre les anciens par surprise si on change de tactique. Il faudrait essayer autre chose. Alors, c'est la recherche, construction de centre de commandement. Non, secours, construction du centre de communication. Ouais, non, ça veut dire faire la mission, puis faire la recherche.
Centre de commandement, c'est bien, hein, mais... comment dire? Là, je peux pas dans l'immédiat, mais... Allez, promenez-moi, maraudeur. Combat total. Transmission. On dirait de l'allemand, mais c'est difficile à dire. Bah ouais, je sais, mais... 8 blessés, 10 disponibles. Non, mais voilà l'état de mes troupes, quoi. Et donc, avec ça, je vais normalement devoir... à Xebulord qui récupère. Tu vas pas me laisser terminer mon truc. Risque d'embuscade lors des missions secrètes. Bon, on a vu, c'est facile les embuscades. Un scientifique. Voilà. J'ai déjà plaint la horde. Tvent a quitté le secteur et a laissé proie de très nombreuses zones. D'accord. Donc là, l'avantage, c'est que j'ai que de la horde. 204 ressources. Bon, on va tenter ça. Hein. Neutraliser le commandant. Nous mettons le cap sur le secteur d'Afrique du Sud. Alors, j'ai Monsieur Canard, Vispousse, un Templier, un Escarmoucheur. Et Xebulord. Toi, tu vas bien t'entendre avec Charles Ferguson. Et ben... Go pour Charlotte Ferguson. Alors, il faut impérativement... J'avais pas pris... Putain, mais c'est pas possible. Pourquoi je les avais pas pris? J'ai besoin d'améliorer mes armes. Putain. Alors, je vais faire un truc. Je vais mettre en pause. Je vais tenter un truc, faire une sauvegarde, histoire que si ça fonctionne, parce que l'émission de guérilla, ça reste pas très longtemps. Donc, je vais tenter de faire un saut au marché noir pour récupérer ce que je pensais avoir récupéré. Voilà, je vais mettre en pause en attendant et puis je reviens. Ok, je suis de retour. Bon, ça a fonctionné, ça n'a pas annulé la mission. Donc j'ai pu m'acheter l'alliage extraterrestre. Donc je vais prendre fusil Gauss pour mon tireur d'élite. Canon à fragments pour les rangers. De toute façon, il m'en reste... Là, ça m'en coûte 15. Pistolet, c'est 10 aussi. Alors, est-ce que je prends plutôt pour le ranger ou plutôt pour l'escarmoucheur? Je vais prendre plutôt pour les rangers parce qu'ils sont... J'en ai quand même plus que les escarmoucheurs. Ça, c'est pour le templier. Est-ce que j'utilise 5, les 5 qui me restent pour le templier? C'est pas ce qu'il utilise le plus, mais bon. Après, il m'en faudra 25 encore. Je vais pas le prendre pour le Templier. C'est quand même pas son arme principale. Il faut que je tue un capitaine. C'était l'objectif de la mission. J'y vais. Grenade flash pour Pisse-Pousse.
et medikit. J'ai un chargeur, je crois. Taille du chargeur améliorée. Ouais, il vaut mieux que je le mette. Je vais le mettre sur. Ah, si, j'ai déjà. Amélioration d'armes, chargeur amélioré. J'ai déjà un petit chargeur en plus. Bon, je vais le mettre ici. Parce que eux, ils peuvent quand même griller leur mission à vitesse grand V. Hop. Et c'est parti comme ça. Mercure déployé. En position pour le déploiement. Bon, et puis je vais arrêter l'épisode ici, ça fera un petit épisode, le précédent était assez long. Nous venons de recevoir une information de la part d'un contact là, de la si résistance. Je me fais toute une mission, ça arrive d'être trop long, il faut que je fasse une pause. Accompagné d'une escorte limitée. C'est l'occasion rêvée pour nous de perturber leurs opérations en cours et toute leur chaîne de commandement. Vos ordres sont d'éliminer cet officier sans autre forme de procès. Menace 1-5, nous remontons la piste du général d'Advent et de son escorte. Mais nous ne savons pas encore exactement où il se trouve. Balayez la zone et neutralisez la cible, ainsi que tous les ennemis qui tenteront de vous en empêcher. Voilà, ça c'est le pitch. Allez, j'espère que cette mission de sauvetage d'embuscade avec le notre ami Jean Bombeur qui arrive d'extrême justesse à sauter ma copine vous a plu. Je vais m'arrêter ici dans l'immédiat. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et voilà, à me dire si vous auriez fait autrement sur la mission précédente. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!